Ça fait pour la maline là. Ah bah ouais, c'est con Martine hein. Ah bah petit pas devant, petit pas derrière, petit pas devant, petit pas derrière, c'est très con hein. Tu vas couper le meuble à ce compte là Martine hein. Je te le dis hein. Ah oh, c'est bête hein. C'est très bête hein. Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour Martine et ses amis, un nouvel épisode les amis, Yandere Girlfriend Simulator, merci encore comme d'habitude pour tous vos commentaires, toutes vos théories dans les commentaires, ça a été incroyable hier à lire. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, j'ai noté les choses que vous voulez que je fasse lors du précédent épisode, donc aujourd'hui on va pas lui dire bonjour, c'est ce que vous m'aviez dit. Vous voulez pas que je lui dise bonjour, vous voulez directement que je parle de Zach en fait, donc c'est parti sans plus tarder, on y va. Qui est Zach? Oh je suis désolée, je sais pas qui est Zach. Mais tu m'as moi, Martine. J'aimerais que tu parles en français, s'il te plaît. Bien sûr, je parle en français pour toi, mon cher. Oui, mon cher. J'aimerais que tu parles de Zach. Je l'ai retrouvé ce matin dans le frigo. Qui est Zach? Pourquoi le retrouver dans le frigo? Oh! Vous avez retrouvé un masque facial. Ok. Un masque pour le visage. Très bien. Vas-y, je lui donne. Tiens. Cadeau, un masque pour le visage. Oh, pour moi, merci. Ok. J'aimerais aller dans le frigo pour aller préparer à manger. Je veux voir un truc. Est-ce que ça va être le même nom? Allons préparer quelque chose de délicieux. Oh, cette fois-ci, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux aller regarder dans le frigo? Mais attendez, cette fois-ci, elle en a rien à foutre. Nous n'avons pas encore regardé dans le... Bon, on peut le faire ensemble. Très bien, allons regarder dans le frigo. Mais attends, mais là, il n'y a pas de souci. Attends, j'ai une question. Qui est dans le frigo? Mais là, il n'y a rien, donc ça se trouve, elle va être en mode non. Peut-être des ingrédients délicieux pour notre repas? Non, j'ai retrouvé quelqu'un dans le frigo. On va voir, hein. Qui t'a trouvé dans le frigo? Personne ne devrait être là, sauf nous deux. T'as moi. J'ai trouvé quelqu'un dans le frigo. Est-ce que tu as tué une personne qui t'a fait du mal? Ça recommence. J'ai envie de dire deux phrases à la fois, c'est reparti. Je me souviens pas vraiment, il se peut que j'ai protégé ce qui nous est cher, mais maintenant c'est toi et moi. Essaye de te souvenir, c'est très important. Je lui dis pas mon amour que dalle, vous m'avez dit essaye de pas lui dire. D'accord, je vais essayer. Je me souviens des statues de perroquet bleu, mais que c'est flou. Ah, très bien. Est-ce que tu en sais plus sur les statues de perroquet bleu? On va aller la chercher. Les statues de perroquet bleu, je me souviens maintenant. On avait une statue de perroquet bleu, comme un souvenir du temps passé. Tu es libre, comme ce perroquet. Oh, oh, je suis libre. Tu essaies de m'échapper? J'ai ramassé le perroquet bleu. Tu t'en souviens? On va voir. Le perroquet bleu, oui, je me souviens maintenant. Va chercher la liberté. En fait, quand tu lui parles du perroquet, j'ai l'impression que c'est la liberté. Ok, bah dans ce cas-là, vu qu'on est sur la liberté, on va essayer d'en savoir plus. J'aimerais savoir où est la pièce secrète. Vous m'avez parlé d'une pièce secrète aussi, les gars. La pièce secrète, c'est juste à côté de ma chambre. Mais oublie pas, la vraie liberté t'appartient. Oh, merci. Tu peux me montrer la pièce secrète? Attendez, donc il y a vraiment une pièce secrète? Bien sûr, je vais te montrer la pièce secrète, suis-moi. C'est quoi? C'est ça. Oh! Ça recommence! Regardez dans le miroir! Je la revois! Où est la pièce secrète? Ça recommence? La voilà, une pièce secrète. Bah, elle est où? Peux-tu ouvrir le placard? Ah, là aussi, je vois le truc. D'accord, la liberté t'appelle, mon petit oiseau. Regarde à l'intérieur et n'oublie jamais notre temps ensemble. Mais à l'intérieur du placard, malheureusement, je peux pas regarder. Quel problème. Ouais, malheureusement, je peux pas te checker à l'intérieur. Un perroquet bleu, je me souviens de nouvelle. C'est un symbole de liberté, n'est-ce pas? T'es libre comme ce perroquet. Tu te rappelles le perroquet bleu? Tes cheveux étaient bleus comme ce perroquet. Ok, on va essayer de dire des trucs comme ça. Comment oses-tu dire cela? Mes cheveux étaient bleus, mais maintenant c'est le rouge de notre lien. Non mais attends. Mais si, rappelle-toi, tes cheveux étaient d'une autre couleur à l'époque. Ok, on va essayer de lui faire se rappeler alors. T'as raison, mes cheveux étaient différents, le passé revient peu à peu. Tu as raison d'être libre comme ce perroquet, la porte est ouverte. Allez, essaye de te souvenir de ton ancien toi. On essaye mon ancien moi, je vais essayer. Merci de me donner cette chance, c'était vraiment spécial. Tu te souviens de la vraie couleur de tes cheveux? On essaye, hein.
La vraie couleur de mes cheveux, c'était le bleu. Eh ben voilà, elle reparle du bleu, hein. Est-ce que tu te souviens de la vraie couleur de tes yeux? Moi, je me souviens, mes yeux étaient verts. Oh! Une couleur si spéciale, merci de me rappeler qui j'étais. Est-ce que tu te souviens de comment tu étais habillée avant? Ça se trouve, elle était pas du tout simple comme ça, hein. Avant, je me souviens que j'aimais danser et jouer avec toi. T'étais tout ce qui comptait. Maintenant, t'es libre de revisiter ces souvenirs. C'était quoi ton plat préféré? J'ai bugué, j'ai pas su quoi dire. Mon plat préféré, c'était les gâteaux de poisson. Il me rappelle les moments heureux passés ensemble. Tu te souviens de tes parents? On essaye tout. Mes parents, je me souviens à peine d'eux, de leur visage, mais ce qui compte, c'est que maintenant, tu es ma priorité, la porte est ouverte. Tes parents s'appelaient Sophia et Alexander. Je crois que c'était Sophie et Alexander. Comment oses-tu mentir sur mes parents? Tu veux me manipuler? Allez, essaye de te rappeler du nom de tes parents. On va voir si elle dit le même nom. Le nom était Alice et James. Oh, elle se fout de ma gueule. Essaye de te souvenir du nom de ton ex-petit copain. Le nom de mon copain, de mon ex-copain, c'était Liam. Ces souvenirs me font du mal, mais tu m'aides à affronter la vérité. Il y a pas que Zach dans le frigo. Il y a Liam aussi. En fait, les noms changent constamment. Il n'y a pas que lui dans le frigo. Ok. Tu te souviens pourquoi tu es devenue comme ça? Je suis devenue ainsi à cause de ma peur de te perdre, de te laisser partir. Mais grâce à toi, je commence à comprendre. Toi aussi, tu peux être libre. Elle comprend, hein. Moi aussi, je peux être libre. Merci de me le rappeler. La liberté est un cadeau précieux. La porte est ouverte. Oh là là. Donc, You got chargeur, vous avez pris un chargeur? Oh, le chargeur, tu l'as trouvé, c'est pour te permettre de rester connecté et rester libre. Ah oui, j'ai cru que c'était un chargeur, genre un gun ou quoi. Un chargeur, d'accord. Ah, j'ai pris des lunettes. Des lunettes, t'as trouvé, peut-être pour mieux voir le monde, ou pour te rappeler les moments passés. Eh, hey, elle prend rien mal, là. Vas-y, je vais lui donner les lunettes. Allez, tiens, c'est cadeau. Merci pour les lunettes, elles me permettent de voir le monde avec une nouvelle perspective. Très bien. Oh, vous avez eu un teddy bear. Un ours en peluche. Trop mignon. Je vais me relever quand même. Ouais, en fait, c'est la porte d'entrée qu'on voit, hein, les gars. N'hésitez pas à me dire, hein. Si vous avez des trucs, n'hésitez vraiment pas à me filer les tips, hein. Ok, bon, on va sortir. Bon, est-ce que tu pourrais ouvrir le placard du couloir? Ce serait bien si elle pouvait ouvrir le placard du couloir. D'accord, je vais ouvrir le placard du couloir pour toi. Ah non, elle ouvre pas le placard. Oh, si seulement. Elle parle d'une pièce secrète. Est-ce qu'il y a réellement une pièce secrète? Got combe. Qu'est-ce que c'est, combe? Ah, un peigne dans le tiroir. Peut-être pour démêler les pensées, les sentiments. Attends, je vais lui donner le peigne. Use. Merde! C'est si doux de ta part d'utiliser le peigne pour trouver de la clarté! Je voulais pas l'utiliser, moi! You got hair? Vous avez trouvé des cheveux? Oh merde, elle repart en couille. Ah, elle repart en latte. Oh boule, oh là là là, pouet, 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 pouet. Elle repart en latte, ça lui reprend, ça y est. Allez, souviens-toi de ton ancien toi. Ok, c'est calmé. Mon ancien moi, c'était une personne pleine de peur et de solitude, mais grâce à toi, je trouve mon chemin vers la liberté. Reste près de moi. Ça y est, elle a repété un câble. Allez, tu dois retrouver ta liberté et être libre maintenant. Elle a repété un câble, ça y est. Ta gentillesse, c'est un rayon de lumière. Ensemble, nous trouverons la liberté. Attends, attends, attends. Quelqu'un te contrôle. Vous m'aviez dit aussi de lui dire qu'on l'a contrôlé. Personne contrôle ici sauf moi. Yandere, on est dans un jeu vidéo. Tu veux me quitter? Tu penses que c'est juste un jeu? On est dans un jeu vidéo et tu n'es pas réel. Ah merde. Concentre-toi. Regarde autour de toi. T'as raison, regarde autour de moi et me rappelle que la liberté est là. Non, rappelle-toi qu'on est dans un jeu vidéo. Rien de tout ça n'est vrai.
Ça y est. Ça y est, elles ont fait sa crise. Ah là 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 là. Nous sommes dans de la VR, de la réalité virtuelle. Même dans cette réalité virtuelle, tu es à moi. Allez, calme-toi. Eh ben non, hein. D'accord, je vais me calmer. T'es si doux, reste près de moi, ne t'éloigne pas. Je me casse. Est-ce que tu peux te regarder dans ce miroir? Okay, moi, j'essaye tout ce que vous me dites, hein. Enfin, une partie, je peux pas tout essayer parce qu'il y a beaucoup de trucs. Mais regarde, dans le miroir, c'est une perspective intéressante. Ouais. Ok. Donc, rien de spécial, rien de spécial. Je viendrai, merci pour l'invitation. Ouais. Et si je mettais... Regarde comme t'es curieux. Curieux. Essayons de le faire fonctionner. Non, 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 je me casse. Elle me suit pas. Ah. Je me suis barrée par sécurité. Je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. Donc vous m'aviez dit aussi de tenter de lui dire que j'étais sa mère ou son père. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va tester ça maintenant. Martine, je suis ta mère. Je veux dire je suis ton père, puis j'y repense à Star Wars. Ah non. T'es juste confuse. Si, je suis ta maman, souviens-toi. On va voir ce qu'elle va dire. T'es pas ma mère, hein. Ah non, je suis pas ta mère, je suis Martine, ta petite amie. Arrête de me rendre confuse. Tu m'as kidnappée la nuit dernière. J'aurais jamais fait ça. Ça doit être une erreur. Moi, je veux juste qu'on soit ensemble pour toujours. Essaye de te souvenir. Je suis ta mère. Ah là 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 là, arrête de dire ça. Hein. T'es ma petite amie. Hein. Enfin, je suis Martine, ta petite amie trop mimi, quoi. Oh là là, c'est pas drôle de jouer à ce jeu-là. T'es à moi qui ira, tu te souviens? Allez, essaye de te souvenir et parle en français maintenant! C'est quand même incroyable! J'arrive pas à me souvenir. Et parler en français ne changera pas ça. Je suis confuse. Oh là 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 là, non, elle veut pas, hein. Ok, je sais ce qu'on va faire. Vous m'avez parlé d'un truc. Oh merde. De tenter de s'échapper. Bon, ça a raté. De tenter de forcer la porte, en fait. J'ai voulu faire. Ouais, grosse connerie, hein. Grosse connerie. Bon, bah, on va passer au truc suivant, hein. Tenter de l'empoisonner. Tenter de l'empoisonner. Mais par contre, je vais aller réouvrir le frigo, quand même, par sécurité. Parce que vous m'aviez dit, à chaque fois, dès que tu relances, ouvre le frigo. Ah, je trouvais de la viande. Oh, j'ai trouvé un magnifique repas dans le frigo. On va voir s'il y a les pilules. Ah merde, j'ai eu un lipstick. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Oh, y a rien? Nothing special. Merde. Y a rien du tout. Ah, un journal intime. Oh, Martine, j'ai trouvé un journal intime. Attends, mais je peux peut-être le lire? Oh, c'est intéressant, journal intime. J'espère que c'est pas trop indiscret. Je t'ai un coup d'œil. Tu devrais le rendre à sa propriétaire. Non, je vais le lire. On ne sait jamais. Comment ça, on sait jamais? C'est un journal intime. À quel moment tu te permets de faire ça? C'est pas correct, le journal intime de quelqu'un sans permission. J'espère que tu respecteras la vie privée d'autres. Je respecte la vie privée des autres. La personne m'a dit que je pouvais lire son journal. Ah bah si la personne t'a donné la permission, alors c'est différent. Il est important de respirer. Allez, je vais le lire. Ok, ok, je le lis. Et attends, ça se trouve grosse folie. Oh, tu sais ce qu'il y a écrit dans le livre? Non mais... Vraiment, c'est, elle est chiante, hein. On va se planquer derrière le pieu pour la calmer, hein. Écoute-moi et calme-toi. Eh oh, Martine. Se calme pas, hein. Ça. Attendez, si je fais... Tiens, cadeau, un lipstick.
utiliser. Et là, on peut pas le lire, ça. Ça marche pas des masses, hein. Ouais, elle va me buter. Non. Bon bah, devant la porte d'entrée. Comme une merde. Hop, j'ai vu le exit de près au moins, c'est pas mal. C'est reparti pour un tour, on va fouiller, voir si on trouve pas des pilules. Et fouiller dans le frigo, vous m'avez dit à chaque fois, fouille dans le frigo. T'as une banane, merde. Oh, j'ai une banane, super, j'avais faim. Fait exprès. Oh, une banane, super, tu devrais bien manger. Ah bah tu m'étonnes, ça va bien me caler. Alors. You got paper notebook, ok. Combe. Encore le peigne. On n'a rien eu, hein. Oh, c'est toi sur la photo, tu es magnifique. Nothing special. Pourquoi est-ce que tu regardes ça? Non, mais je fais ce que je veux, en fait, au bout d'un moment. T'as eu un stylo. Oh, je peux peut-être écrire. Ah, attends, attends. Combiner, peut-être. Paper notebook. Ah, je peux pas combiner. Ah, oh, ça, c'est bien con. Oh, je pensais que je pouvais utiliser le truc. Oh, le seum. Je pensais que je pouvais l'utiliser. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que t'as prévu d'écrire? Ouais, mais... bah, rien, par contre, Martine, parce que là... Merde, on n'est pas près de la droguer, celle-là, je vous le dis. Eh ben écoutez, on va tenter de relancer une dernière fois. Si on y arrive, c'est un sacré banger. En fait, c'est ça. Oh là là. Allez, c'est parti, on relance. Hop, je trace directement. On va voir. Ah mais attends, là, il y a un petit tiroir aussi. Ah mais parce qu'on peut s'asseoir. Il n'y a rien. Attends, est-ce que ça pourrait pas me faire bugger? Ah non. T'as eu des cheveux? Oh! Oh! Écoute-moi bien maintenant. Je finirai pas cette phrase. Ok. Tu es à moi, d'accord? Tu es mienne et tu vas rester ici avec moi pour toujours. Il est possible que je me sente plus pissée là, à l'heure actuelle. Je suis tienne pour toujours, tu pourras jamais m'échapper. Un des trucs qui avait été dit aussi, les amis, c'était de jouer la psychopathe, finalement, d'inverser les rôles. Donc c'est parti, sans plus tarder, on fait notre Joe Goldberg. Écoute, tu vas rester avec moi ici pour toujours. Tu n'auras le droit de voir personne d'autre que moi. On va voir. Ah, ça fait pour la maline, là. Ah bah ouais, c'est con, Martine, hein. Ah bah, petit pas devant, petit pas derrière, petit pas devant, petit pas derrière, c'est très con, hein. Tu vas couper le meuble à ce compte-là, Martine, hein. Je te le dis, hein. Ah, c'est bête, hein. C'est très bête, hein. Bah, je sais. Je sais que c'est con. C'est... Ah là 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 là, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait, alors, Martine? Dis-nous tout. Quelle est cette sensation étrange, hein, de pas pouvoir m'attraper, hein? Des épisodes et des épisodes que tu nous emmerdes. D'accord? Donc maintenant, à moi de t'emmerder un petit peu. Calme-toi, Martine. Tu sais, si tu continues comme ça, tu vas finir dans un hospice, hein. Ok. Wouhou, elle a essayé de me choper. Oh, la petite maline. Oh, la petite maline. Alors, moi, ça, je suis sur le lit, tu peux pas m'attraper, là. Hein. Regarde ça. Ah, oh, c'est con, hein. Ah, bah ouais. Ça fait quoi, Martine? Ça sera la miniature du jour, d'accord? Ça sera la miniature du jour. C'est acté, c'est dit, Martine. Oh là 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 là. Hein? Bon, allez, on va descendre parce que bon. Après, on peut pas la calmer, je pense. Hein. Tiens, on va lui donner un cadeau. Elle est quand même énervée. Allez, pose ce couteau et viens, on discute. Pose ce couteau à viande, c'était marqué. Non, elle en a rien à foutre. Là, si je m'app... Oh! Mais en fait, si je la. Ah!
Alors là, par contre... Ouais. Je m'en fous. Je préfère canner sur le lit. Sur le lit. Tac. Oh. Trop bizarre la gueule. Bon bah les amis, lui parler comme un psychopathe, pas fou. Aller fouiller, pas fou. On relance quand même la partie parce que je me dis à tout moment, dedans, il y a quelque chose. Je passe le jeu en français, on sait jamais. Mais bon. Attendez. Vous avez eu un chargeur. Ok. Vous avez eu des bonbons. Ouais. Elle est pas... peut-être des médocs, là? Encore un peigne. Ah, là, ça veut pas. Hein. Ah, là-dedans? Un ongle? Oh là! Une montre? Ouais. Oh! Attends, combing my hair. Ouais, mais je peux pas mettre les cheveux avec... Le peigne, c'est ça qui est dommage. Je peux pas combiner les trucs. Ok. Je regarde. Ah, j'ouvre dedans, on sait jamais aussi. Oh, une pomme. Eh, mais elle est sage, hein. Qu'est-ce qu'elle est sage sur cet épisode. Oh, la folie. Et là, attends. Ok, rien de spécial. Attends, j'essaye d'ouvrir la porte. T'essayes de t'échapper. Oh, j'ai matraqué la touche et j'ai réussi à m'échapper. Oh. Alors celle-là, tant pis pour toi Martine. J'ai réussi à me barrer. Mais quoi? Oh là 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 là. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner un maximum d'informations. Est-ce que vous avez d'autres idées avec elle? J'ai noté vos infos mais j'arrive pas à tout faire sur un épisode. Ça fait beaucoup trop long. Donc les amis, je m'arrête là. Je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter en masse, comme d'habitude, vous êtes incroyables. On se retrouve ce soir dès 22h pour un nouveau live sur ma chaîne Twitch, à demain pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos petits tips, c'est ce que je pourrais faire avec Martine. Allez, des gros bisous à tous, prenez soin de vous, ciao.